Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le dimanche 30 juin. Je me prépare de vite prendre mon petit déjeuner et ensuite je partirai travailler jusqu'à 14h15. Dans l'après-midi, je vais récupérer mon petit Théo et ce soir, Gaëtan nous réserve une surprise. Je ne sais pas quoi. Il m'a simplement dit de préparer les bagages et on verra plus tard. 10h30, ça y est, c'est l'heure de la pause. Et en route pour l'aventure. Et tu vas dormir où, Théo? Et là, je vous présente les montagnes du Beaufort qui sont juste magnifiques. Bon, c'est dommage qu'il fasse pas si beau que ça et je vous avoue qu'il fait frais, mais je suis charmée de l'endroit. Non, ça va encore, ça n'a pas bon. Presque. Comment manger une tartine? Allez, vas-y, pose là maintenant. Ouais, c'est bien. Ah. Ah oui, un petit tracteur en abarré. J'ai vu, ça grogne. T'as vu? T'as pas vu que c'était tout rouge? T'as pas vu que c'était tout rouge? Oui. Oh, on est là. On est quand même là-dedans. Vite, les bras de maman. Life is wonderful.
Tu m'étonnes. I would launch a thousand ships just to be about your lips. Tell them all to sail away just to see you every day. Oh my, oh my, oh my, life is wonderful. On a le deuxième petit chaperon rouge. Voilà. C'est le petit chaperon rouge ou Perrette et le pot de lait, je ne sais pas. Tu fais visiter ta roulotte, Théo ? Ici, le coin cuisine, avec un lavabo comme à la maison, un évier comme à la maison. Le coin repas. Le coin du dodo, premier couchage, la télé, attention Théo, avance. Le coin des parents, ça c'est le coin de Théo. Et la salle de bain. Qu'est-ce que tu discutes? Ça t'a plu, toi? Miam, miam, ce plateau de charcuterie. Coucou Théo! Coucou! Ça va? Non? Voilà, il est midi et demi, on est reparti de la roulotte et là on va prendre, on va pique-niquer sur les bords du plan d'eau de Saint-Joie. Donc voilà, Gaëtan est parti chercher du pain et on va se faire un petit pique-nique.
Ça passe, ça passe. Ça va, Théo? Coucou. T'es bien là-haut, hein? Tu profites de la vue. Bah ouais, c'est vrai. Oh oui, oh oui. Retour à la maison après un petit week-end décalé, un peu, même beaucoup champêtre. Voilà, c'était un super week-end pour nous trois. Franchement, à refaire, en espérant que la prochaine fois il y ait un peu plus de beau temps. Quoique sous la roulotte, on n'a pas eu froid, hein, on était bien au chaud, même au contraire, on avait même eu chaud malgré les nuages gris qu'il y avait hier soir. Il faisait chaud dans la roulotte et on a tous très bien dormi. Voilà, les matelas étaient super moelleux. On a fait une très bonne nuit. Donc, si vous êtes de passage en Savoie, dans le Beaufort, voilà, je vais mettre, si j'y pense, l'adresse de la roulotte dans le lien sous la vidéo. Voilà, pour l'heure, ça va être le rush, hein. On va préparer Théo pour aller manger et se coucher tôt. Demain, c'est retour dans la vie active normale. Travail pour les grands, nounou pour le petit. Et voilà, sur ce, je vais clôturer cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci, merci, merci de me soutenir, de me laisser des petits commentaires. C'est toujours très sympa. Voilà, donc allez, je vais vous laisser là parce que sinon, les au revoir, c'est sans fin. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.